est un peu passé à côté du match au Stade Français. On a fait beaucoup d'erreurs individuelles. Et on espère et on va tout faire cette semaine pour mettre en œuvre qu'on ne reproduise pas les mêmes erreurs. Et c'est ce qui est important, je pense. Ils vont venir chercher des points. Donc à nous de vite fermer la porte de Bordeaux, de rester concentré sur le match tout le long et de tuer le match, pas comme on a fait contre Bordeaux où on l'a laissé traîner, alors que je pense qu'en première mi-temps on aurait pu l'appuyer un peu plus. Nous aussi on va être observés par tous les adversaires et ils vont essayer de déceler chez nous des manques ou des points faibles. Après, le rugby ce n'est pas que de la stratégie, c'est aussi de l'application, de la concentration et une efficience technique qui doit être au summum, ce qui ne nous est pas arrivé à Paris ce week-end. Toulon, je disais, composé de très très grands joueurs, ben à nous de trouver ce supplément d'âme, cette justesse, ce rugby organisé mais à la fois enthousiaste qui nous a peut-être fait défaut à Paris ce week-end. Oh, c'est un gros match. C'est un match contre une grosse équipe, un prétendant au titre chaque saison quand même. Donc, ouais, c'est une équipe d'un fort tonnage avec, je répète, beaucoup d'internationaux, pas mal de recrues encore cette année, de très grands noms. Hein. Donc, il faut qu'on soit capable de se mettre à la hauteur de ces équipes-là. Hein. Mais on sait que ce sera difficile. Hein. On sait que ce sera difficile, mais en tout cas, on travaille pour essayer d'être à la hauteur. Quoi.